nous menons une double vie, même si le mot n'est pas joli. On appelle cela l'adultère. Nous avons chacun d'un côté quelqu'un qu'on ne peut pas quitter. Alors ce qu'il nous reste à faire, c'est de continuer à s'aimer en préservant notre secret pour ne faire de mal à personne. Si un jour ça se savait, ce serait dur de décider quel est l'amour qu'on abandonne. Comme on fait pas ce que l'on veut, on se rencontre quand on peut, entre deux rendez-vous d'affaires. Il nous faut trouver des excuses, comme des enfants qui s'amusent à faire l'école buissonnière. Nous aimons l'après-midi pour un court instant on oublie que notre amour est interdit. Cache dans un restaurant, et quand il nous reste du temps, on se retrouve dans une chambre. On ferme les rideaux et les yeux, pour faire semblant de croire tous deux que l'on passe une nuit ensemble. Si facile de juger, les gens peuvent bien nous accuser de n'être que deux hypocrites. Tant mieux s'ils n'ont jamais été tentés par l'infidélité et qu'ils ne jugent pas trop vite. Après tout, on ne sait jamais, ça peut aussi leur arriver. Alors ils pourront mieux comprendre ce qui se passe dans le cœur des gens qui s'aiment en ayant peur que l'on puisse un jour les surprendre. Nous aimons l'après-midi pour un court instant on oublie que notre amour est interdit. Nous aimons l'après-midi pour un court instant on oublie que notre amour est interdit.
un enfant dans la vie, c'est beau. Un enfant qui chante au micro. Un enfant qui danse et qui rit. Quand la musique retentit, il chante, on dirait que c'est toi. Il rit, on dirait que tu souris. Un enfant qui te ressemble, si petit, c'est l'enfant de la toi.